Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et voici donc Chelsea contre Arsenal. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Merci Grégoire, on en a parlé ensemble avant le match, on espère assister à une belle rencontre. Dites-moi Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre? Et pourquoi pas le petit Chilien Alexis Sanchez? J'adore le voir terroriser les défenses adverses avec ses dribbles et il sait résister aux charges en plus. Oui, je suis d'accord, c'est sans doute un grand talent offensif qui débloquera ce match. Cesc Fabregas. Willian. Diego Costa. Il joue dans l'espace. Kennedy. Tout en puissance, c'était cadré, mais manque de réussite. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Hector Bellerin. C'est bien fait, ça. Il glisse le ballon en profondeur. Alexis Sanchez, bien servi sur le côté. Il essaye un long ballon. Ça va vite, aussi il lève la tête. Il file au but. Quel timing dans l'interception. Oxlade-Chamberlain. Oh, voici Alexis Sanchez. Arsenal qui cherche l'ouverture. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Bonne lecture de la trajectoire. David Luiz. Kennedy. Cahill. Voici Diego Costa. Et ce ballon sur l'aile. Il a du champ sur le côté. Willian qui centre. Quelle détente! But pour Chelsea! Ça y est, ce match est vraiment lancé. Un bon centre et une tête tout aussi parfaite. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête, alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. Chelsea qui a donc ouvert le score. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Dommage que cette passe soit interceptée, ça aurait pu être une occasion. Ah, il manque de bol là, mais il faut qu'il soit plus tranchant. Il tente de la jouer dans l'espace. Il est passé. Mesut Özil. Il centre de loin. Ce ballon bien dosé. Il peut repiquer dans l'axe. Mesut Özil, bien servi. Et il trompe le gardien. Retour à la case départ. J'espère que le match va être encore plus ouvert maintenant. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Du rond central, égalité parfaite. Ah, ça c'est un grand classique. Ils sont encore en train de fêter le but et hop, ils se font remonter. Le bon dribble. Willian qui centre. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Une très longue passe. Pour trouver la faille dans la défense. Walcott. La faute. Il y a mis tout son cœur là-dedans, c'est fou, je ne le voyais pas tirer de si loin. Oh, ça c'est bien parti, ça peut faire mal. Chelsea qui essaye de construire. Un ballon intéressant. Ça fait du bien.
C'est joué dans la surface. Il file au but. David Luiz. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Va-t-il en profiter? Il est passé. Bien joué ça. Oh, la frappe! Oh, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile! L'adversaire lui a fait un véritable cadeau avec cette passe, mais il fallait être bien attentif pour en profiter. Et il était. Kennedy. Hazard. Kennedy. À droite. David Luiz. Il joue en profondeur. Ça manque de précision, dommage. Mesut Özil qui a déjà pris le pas sur la défense. C'est joué long, attention. Il file au but. Il joue dans l'espace. Il récupère le ballon. Coquelin. Hector Bellerin. Mesut Özil. Oh, voici Alexis Sanchez. Il glisse le ballon en profondeur. Le bon dribble. Costa. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Quelle balle en profondeur, super vista pour trouver son partenaire. Il choisit la profondeur. La passe est précise. Oh, il fallait l'oser ce tacle. Il a pris tout le monde de vitesse. Le tacle dans la surface. C'est centré dans la boîte. C'est la pause, une pause bien méritée pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. Un match équilibré jusqu'à présent avec ce score de 1 partout. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour le moment. Elles quittent le terrain sur ce score, 1 partout. Et la seconde période est lancée. Mesut Özil. Oxlade-Chamberlain. Quel tacle! Hector Bellerin. Walcott. Il est passé. Kanté qui récupère ce ballon. Dans le dos de la défense. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Un centre lointain. Le jeu repart vers la droite. Il file au but. Elle continue sa course. Matic. Un long ballon vers l'avant. Mais c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Il y a du mouvement. Kennedy. Cahill. Diego Costa. Hazard. But pour Chelsea. Et il passe devant. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Hector Bellerin. Le ballon sort en touche. Ah, de l'activité sur les bancs de touche, changement peut-être. Willian. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant.
Comment ça, expliquez-moi. Il reste à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Oh, voici Alexis Sanchez. Hazard. Il joue dans la profondeur. Cesc Fabregas. Et c'est intercepté. Cech qui dégage le ballon. David Luiz. Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. Dans la profondeur, Kennedy qui peut frapper. À l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. Walcott qui joue long. Il tente de la jouer dans l'espace. Bellerin, il met le pied, ballon récupéré. L'arbitre signale une faute. C'est joué long, attention. Quelle fait du bien cette interception. Il est passé. Costa. Oh, la main ferme. Le but incroyable. Il a maltraité le ballon. C'est un but phénoménal. Oh, maintenant ça va être difficile de les reprendre. Oh, c'était jamais facile le face-à-face avec le gardien, mais il est resté lucide. Tout a l'air facile avec lui. Quel instinct de buteur. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Les voilà avec deux buts d'avance. Alors là, s'ils se font rattraper au score, l'entraîneur va leur souffler dans les branches. Walcott. Dans le dos de la défense. Pas de hors-jeu, il y va. Un centre dans l'axe pour personne. Et ils essaient de repartir de derrière. Le ballon est perdu, il va falloir revenir. Alexis Sanchez. Il écarte, il joue sur l'aile. Walcott, il a de l'espace. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Arsenal adopte une tactique bien connue là. Ah oui, dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, Grégoire, forcément. Kennedy. Dans l'espace. Un ballon dégagé très loin. Cesc Fabregas. Loftus-Cheek. C'est dégagé, loin devant. Walcott qui centre. Terry qui tente un centre lointain. Le long centre. Il joue dans l'espace. On joue sur l'aile, il est servi. Le bon dribble. Ils obtiennent un coup franc. Chelsea qui compte maintenant deux joueurs avertis. C'est trop fort. Matic. Pour trouver la faille dans la défense. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc.
Hector Bellerin. Coquelin. Oxlade-Chamberlain. Oh, Mesut Özil. Il file vers le but. Oh, la tête plongeante. Il marque. Et il marque en toute fin de match. Et le gardien qui passe complètement au travers, ça fait but. Mais quelle faute de main du gardien. Face à ce genre d'attaquant, ça ne pardonne pas. Alors là, toutes les conditions sont réunies pour une fin de match explosive. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. On est maintenant dans les arrêts de jeu. Allez, plus que quelques instants à tenir. C'est parfait, magnifique. Il est repoussé par la défense. Un ballon intéressant. Hector Bellerin. Oxlade-Chamberlain. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Qui a dit qu'il n'y avait plus de spectacle, plus de suspense, plus de but dans le football? Tout cela, on l'a eu.